Située au cœur de la Côte d'Or à une vingtaine de kilomètres de la Côte de Nuits, la commune de Beaune est considérée depuis de nombreuses années comme la capitale des vins de Bourgogne. Connue dans le monde entier pour ses hospices et sa célèbre vente aux enchères, elle dispose d'un vignoble au potentiel extraordinaire. Représentant 42 appellations classées en premier cru, Beaune produit majoritairement des vins rouges avec 270 hectares en premier cru issus du Pinot Noir, mais seulement 39 hectares issus du Chardonnay. Les vins rouges de Beaune se différencient de ceux de la Côte de Nuits par leur délicatesse et leur finesse, donnant des vins tout en subtilité. Historiquement implantée à Beaune, la maison Louis Latour est propriétaire de plusieurs premiers crus sur cette appellation et le Beaune premier cru Vigne-Franche en est le fleuron. Situé en contrebas du Clos des Mouches et à proximité du village de Pomard, la situation en bas de coteau de ce climat, représentant 8 hectares au total, lui confère toutes les caractéristiques d'un grand terroir. Notre parcelle porte le nom de Vigne-Franche, symbole de l'époque où les propriétaires ne payaient aucune redevance. Le Beaune premier cru Vigne-Franche, d'une superficie de 2,62 hectares, s'étend de 235 à 250 mètres d'altitude sur un sol argilo-limoneux très fin qui lui permet de filtrer facilement l'eau. Nos vignes, âgées de plus de 35 ans, sont issues de plants de pinot fin sélectionnés spécialement par le domaine. Vendangés à la main afin de garantir la qualité des baies récoltées, les raisins sont ensuite vinifiés de façon traditionnelle dans notre cuverie historique située à Alos-Corton. Ce premier cru est élevé pendant 10 à 12 mois en fût de chêne français, fabriqué dans notre propre tonnellerie. Notre Beaune premier cru Vigne-Franche se caractérise par son opulence, sa finesse, ainsi que son fruité extrêmement plaisant, même dans sa jeunesse. C'est l'un des premiers crus les plus prisés de Beaune, un vin assurément élégant et plein de grâce.